Bonjour, aujourd'hui on va préparer un grand classique de l'apéritif, la rillette de thon. Simple à réaliser, cette tartinade est fortement recommandée pour de bons moments de convivialité. Dans un saladier, je commence par émietter grossièrement à l'aide d'une fourchette une boîte de thon naturel, environ 200 g. Pour plus de crémeux, j'ajoute une boîte de fromage prêt à tartiner, comptez environ 300 g. N'hésitez pas à mélanger, le but étant d'obtenir un mélange bien homogène. La rillette est déjà bientôt prête. Pour plus de saveur, j'ajoute une échalote coupée en tout petits morceaux et quelques brins de ciboulette ciselée. Pour amener du piquant à notre rillette, je l'assaisonne en ajoutant quelques gouttes de citron et de sauce pimentée. Et surtout, n'oubliez pas une petite pincée de sel et de poivre. Côté déco, versez la rillette dans un joli bol. Et pour plus d'effet, pensez à poser délicatement sur le dessus une rondelle de citron ou un brin de ciboulette. À servir frais, accompagné de petites tranches de pain grillé ou de quelques bâtonnets de carottes et de concombres, elle sera délicieuse. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette se trouvent dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. Bon appétit, à bientôt pour de nouvelles recettes.